où les jeunes vont se retrouver. Si, 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 si. Ils ont ramassé les jeunes avec les 3000 francs, avec les polos. Et après, ils vont devenir qui? Chômeurs. Et nous ne sommes pas d'accord avec. Nous voulions que cette fois-ci, ce gouvernement puisse améliorer le social. C'est ça. Qu'on puisse promouvoir l'émergence de la classe moyenne en République démocratique du Congo. Mais raison pour laquelle le mouvement des sans-emploi dit non, non, non au chômage. Soyons quand même logiques. Oui. Vous demandez une chose à la ministre qui est en charge le travail, mais vous l'appelez comment? Vous l'appelez comment? Madame. Ah, vous vous adressez à un ministre que vous ne respectez même pas? Non, on la respecte. Elle a un nom, pourquoi vous l'appelez madame là? Je ne connais pas son nom. Elle ne connaît pas son nom. D'abord, nous ne sommes pas d'accord. On ne connaît pas. Les mémos qu'on avait déposés, s'il vous plaît. Les mémos qu'on avait déposés, on avait sollicité au président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de nommer une personnalité neutre au ministère du Travail. Pourquoi? Tant d'années, il y a des politiques qui occupent ces ministères. Est-ce que vous avez déjà. Il y a des emplois ici en République démocratique? Le taux, c'est combien? 99%. Taux de chômage, 94% de chômeurs. Tout ce monde ici, ce sont des chômeurs qui sont derrière. Oui, nous sommes les chômeurs. Ils sont dehors. Ceux qui travaillent sont à l'intérieur. Vous voyez du peuple, les autres sont au boulot. Mais les chômeurs sont restés à l'extérieur. Regardez le nombre de nous sommes pas d'accord. 94%. Madame Nenenkoulou, nous serons derrière vous. Devant votre bureau. Derrière votre bureau. À l'intérieur de votre bureau. Le jour des remises et reprises, nous serons encore là. Pour vous interpeller. Pour vous dire que non, les jeunes sont au chômage. Le taux de chômage est devenu endémique. La République démocratique du Congo. Nous disons non, 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 non. Non, non, non. À la balle, vous, comment vous appelez? Comment vous appelez? Au nom de Mouéla Loupé, qui est ingénieur, coordonnateur du mouvement des sans-emploi. Et donc, les sans-emploi, c'est dans 26 pouvoirs, dans ces 26 communes. Promesse, pardon. Et vous êtes à Kinshasa? Non, non. Vous parlez au nom des chômeurs de qui, nous, de non, non, non. Les sans-emploi est implanté aujourd'hui à 9 provinces. 9 provinces. Nous sommes aux provinces du Nord Kivu. Au Congo central, Bandundu Kikwi, c'est tout concerné, nous sommes là-bas. Déjà 9 provinces qui sont déjà implantées. Il y a une application qu'on avait déjà lancée pour l'enregistrement des chômeurs. Et bientôt, nous allons lancer beaucoup de projets. Il faut aussi savoir créer l'emploi. Bien sûr que oui. C'est secret aussi. J'ai parlé de ça au début. Même avec 10 dollars, on peut commencer une Madame, entreprise. Avec 10 dollars, on peut commencer l'entreprise, mais ça demande l'accompagnement, l'orientation. Vraiment. Les soutiens du gouvernement. C'est ça. La star ne va pas se développer. Merci. Ils ont pas monté, pas monté. Félix, Soki Boulote, Toko Kawana. Mama. Félix, Mama. Soki Boulote, Toko Kawana. Mama. Félix, Soki Boulote, Toko Kawana.
Alors, vous êtes du PPRD, c'est quelle cellule? C'est la Ligue de Femmes PPRD. Et vous êtes venu soutenir? Nous sommes venus soutenir le gouvernement. Le gouvernement de tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Nous attendons de résultats positifs. Nous attendons un travail qui n'a jamais été fait auparavant. Nous attendons d'applaudir ce gouvernement à la fin de son mandat. Le chômage, la prise en compte des femmes, le travail, l'amélioration des sociales du Congolais, est-ce que vous pensez que ça peut être réalisable pour les 5 prochaines années? Bien sûr, pourquoi pas, parce que dans le programme que le ministre Ibrahim Kamba est venu aujourd'hui défendre, il s'est trouvé à un point et entré à la femme, il y a un point et entré à la jeunesse, il y a aussi un point et entré au social. Comme l'a dit le président de la République, ce sera des hommes qui seront affectés pour la population, pour le peuple. Et nous croyons, nous sommes sûrs que ce sont des hommes qui sont conscients, ils mettront en pratique ce qu'on a dit de les affecter. Thank you.
la compte de mes guerres. Bonjour madame journaliste.